Ah, c'est mieux. Oh, l'apocalypse, je pense à rien en ce moment. Oula. Voilà. C'est mieux. Et coucou Crown Shepherd, comment ça va? Mais Nightbot est là, c'est bien. Fais vérifier du coup en disant coucou à Nightbot, je vérifie que Nightbot est bien là. Salut Tortal, comment ça va? Prendre le pad. Je pense que ça servira le pad. Tu vas manger et tu reviens. Ben, bon app, Tortel. Bon app, bon app. Merci, Syl, pour le retweet. Je ne sais pas si tu es là, mais merci en tout cas. Donc, on était ici. Alors, ah, c'est ça que je veux. Ah, ouais. Donc, je vais refaire la liste des jobs. Je vais vous la réécrire un petit peu, comme ça laisse le temps aux gens d'arriver. C'est vrai que j'ai le ninja. C'est classe les ninjas. C'est toujours classe les ninjas. Le temps d'écrire la liste des jobs et j'arrive. Coucou Syl, merci pour le retweet. Alors. C'était Black. Emile. Alors, attends, j'écris la liste. Blue Wizard. Et coucou Harley, comment ça va? Red Wizard, ça vous laisse le temps d'arriver, le fait de faire ça. Oh putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est tellement n'importe quoi ce truc là. Et on arrive vers la fin.
Et enfin. Donc, voilà la liste des jobs. Et comme d'habitude, c'est vous qui allez choisir quels sont les jobs que je vais jouer. Donc, Tortal, est-ce que tu es dans le coin, Tortal? Est-ce que tu es parti bouffer? Est-ce que tu es très loin? Je suis extrêmement fatigué. Je vais faire ce que je vais pouvoir pour assurer ce stream dans les meilleures conditions, mais je suis extrêmement fatigué. Tortal. Voilà, je vais même refaire ça, histoire de mieux voir ce qui se passe. Donc, je crois que Tortal est allé manger et qu'il est plus devant. Donc, on va nous a lâché pour manger, oui. Bah, écoute, il a perdu son tour, hein. Donc, The Seal, je t'explique les règles. J'ai posté juste avant une liste de jobs. Et donc, tu vas choisir le job pour mon premier perso. Oh, t'en fais pas, ça va aller. C'est juste que ce matin, j'ai essayé de faire la grasse mat et que mon téléphone a pas arrêté de sonner, ce qui fait que j'ai pas fait la grasse mat. Et que je suis relativement fatigué, malade et tout et tout. Donc, du coup, Syl, tu dois choisir un job parmi ceux que j'ai postés juste avant. Sauf que je crois... Non, c'est vous, tu étais là. Donc, tu dois choisir un job parmi toute cette liste. Archer. C'est toujours pété, les archers, en même temps. Alors, je vais aller chercher mon archer. C'est quoi ça? D'accord, d'accord. Bon, on va mettre ça. Hein. On va mettre ça parce qu'il faut tout le temps quelqu'un pour avoir un learning. On va passer au suivant. Et qui je vais prendre. Donc, qui va choisir le job suivant? Grand Shepard. Vas-y. Je te laisse choisir la classe de Lena. Le job de Lena. Pendant que je bois du thé. Gentiment rapporté par Nina. Qui passera peut-être nous faire coucou plus tard, mais là elle doit finir d'écrire son anneau. Ou qui va peut-être nous passer faire coucou plus tôt dans un élan de non-productivité. Donc, Grand Shepard, j'attends ton choix. Choisis peu, mais choisis bien. T'as pas envie de trouver du berserk. Donc, ninja. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme habilité? Ça me semble pété de faire ça. On va passer au job de Galuf. Donc, le job de Galuf sera choisi par... Harley Quinn. Harley, je te laisse donc choisir le job de Galuf. Comme je crois que tu es arrivé un petit peu... Non, c'est bon, tu es arrivé, j'ai déjà posté. Je vais... Puis, de toute façon, c'est visible sur la vidéo en même temps. Donc, choisis le job de Galuf. Pendant que je fais apparaître le pompon. Harley, es-tu là? Allô, allô? Bon, je pense que je vais remettre en jeu. À mesure où je ne la vois plus sur le chat,
Donc le job de Gaius sera choisi par... non, pas par moi. Non, pas par moi. Attendez, j'engueule Nightbot. Je vais engueuler Nightbot vite fait parce que... Je lui ai dit de ne plus me choisir, mais il continue. Donc Nightbot me gonfle. Donc je vais corriger Nightbot tout de suite et je reviens. Alors, c'est ici. Oui, c'est cette vanne. Alors, les options. Ouais, normalement, Nightbot n'a pas le droit de me choisir. Mais Nightbot n'en a rien à foutre, a priori. On va refaire un mineur. Putain, non, Nightbot, là, t'es chiant. Nightbot programmé avec mon anus. Donc... Nightbot. Ohé. Non, toujours pas. Ce bot me troll. Alors, Nightbot y répond, c'est déjà ça. Non, mais putain. Nightbot, tu deviens vraiment relou, là. Nightbot n'a pas envie que ce stream commence. Oh là là. Et j'ai pas de dés ici. Ouais, totalement. Mais je pense qu'il y aura un bug sur le chat du côté Nightbot que ça ne m'étonnerait pas. Ouais, mais j'ai pas le droit de gagner. Et déjà, il fait des trucs à l'envers. Il envoie ses textes à l'envers, donc on va faire ça autrement. Hein. De toute façon, vous êtes que deux, donc Syl, vas-y, choisis. Et puis Crunch Shepard choisira le dernier. Je pense que Nightbot a décidé de planter lamentablement. Donc vas-y, Crunch Shepard. J'ai rajouté un truc pour le faire moi-même, sans passer par Nightbot. Lucas. Un bon vieux knight. Il était déjà en knight en même temps. Ça tombe bien. C'est vrai que comme les choses sont bien faites. Je vais mettre de la magie quand même. Ah d'accord, Black Mage, pardon. J'ai mal compris. Je mets Black Mage. Je préfère en absolu. Ça permet d'équiper ça. Voilà. Et donc maintenant, Syl, à toi. À toi de choisir, donc je vais remettre la liste des classes. Voilà. La liste des jobs, je remets la liste des jobs. Ouais, voilà. Ninja, d'accord. Un ninja bleu cette fois. Ah, c'est une bonne idée, globalement, je pense.
Donc. On va revoir l'équipement. Hein. Donc c'est parti. Cette fois c'est vraiment parti. Donc on en était ici. On venait de traverser le désert. On était sur les traces du défunt père de Lena et de Faris, qui aurait été vu aux alentours de cet endroit où une personne ne vit. Hein. C'est aussi ça le truc qui est magique, c'est qu'on a un endroit où personne ne vit. Et quelqu'un aurait vu le père de Lena ici. Ah bah justement, en parlant du père de Lena, voilà le père de Lena, il est parti par là. Ouais non mais Nightbot qui troll, attends. Par là. Oh mais oui. Alors c'est un peu l'heure de jouer à cache-cache, on va voir s'il est par là. Il n'y a pas de problème Arnie, tu as juste loupé une occasion de voter. On est reparti vers en haut. Retortal, toi aussi tu as perdu une occasion de voter. Je suis crevé, mais ça va. Je suis totalement claqué, hein. Ça c'est très clair. Oh papa, c'est toi! Rappelons que Faris n'a pas vu son père, n'a jamais vu son père, mais ce n'est pas grave, elle le reconnaît, il n'y a pas de problème. Non. On votait pour le job, et cette blague n'est pas drôle, Kamui. Cette blague n'est juste pas drôle. Attention, le pro des raccourcis en action. Un petit châtigué. Mais petit châtigué, nous on en a plein à la maison, effectivement. C'est jamais très agréable d'être un petit châtigué. Ah si, ça doit être très agréable d'être un vrai petit châtigué. Donc, il semblerait qu'on ait été téléportifié. Mais le mieux, c'est d'être un petit chat tigré. Les petits chats tigrés ont encore la vie encore plus difficile que les autres. Hein. Non, mon dieu. C'est donc l'apocalypse, nous ne savons pas où nous sommes. Totalement d'accord, Grand Shepard, c'était pas drôle et absolument pas subtil hein, comme blague. Oh, encore.
Tu me diras, c'est ce qu'il faudrait que je fasse dans l'absolu. Si j'étais quelqu'un de normal et de bien. Merci, merci. C'est un cadeau de Noël du père de ma chérie. Elle parlait de la tasse. Ah. Oh, un livre. Oh, je ne peux rien faire ici. Alors merci de ne pas être insultant ou agressif ou quoi que ce soit, Kimui. Hein? Coucou Willou, comment ça va? Merci. C'est ta twin. Elle est grande. On parlait de la tortue derrière. Ouais, j'avais bien compris. Ouais. Et bah si t'estimes que t'es pas insultant, fais preuve d'un peu de... Comment dire? De tact dans tes propos. Tu viens d'Urquier? Tu as bien raison. Il va y avoir un truc à faire quelque part. Attends. Qu'est-ce qu'il me dit? Regardez. Parle. Est-ce que je suis régène? Je ne suis pas régène. Donc je vais en profiter pour mon régène quand même. Ce serait bête. Toutes les tortues sont grandes, je ne suis pas forcément d'accord. Par contre, toutes les tortues sont mimi, ça j'approuve. C'est quand même super choupi une tortue. Ayant une mémoire de poisson rouge, je ne me souviens plus où je dois aller. Ah, il y a une sorte de vase. Non, jamais. Attendez, donc je vais redire ce qu'il me disait. Faut bien que j'aille par là. Attends, droite, oui, c'est ça. Je mange toujours ma droite et ma gauche. Coucou Tisha. Et donc Kamui, ceci est le dernier avertissement. Je sais qu'il y avait un truc à faire ici, mais je me souviens plus ce que c'est. J'ai la tête dans le cul beaucoup trop pour avoir de la mémoire. Dans les fleurs. J'ai oublié de faire ça. Des fois j'ai l'impression de faire des trucs et puis je ne les fais pas. Comme l'idée ici, c'est la bonne humeur, c'est pas se troller joyeusement entre amis, au revoir.
Ah oui, le pot. Non, ben, je veux bien être sympa, mais il y a un moment quand je dis que c'est trop, qu'il faut arrêter. Faut arrêter. Quand je donne des limites, faut les respecter. Je suis relativement fatigué. Alors, j'ai ramassé un truc, j'ai pas fait gaffe à quoi. J'ai du stuff et ça, c'est une bonne nouvelle. Du stuff et un nouveau sort. Non, non, pas la team full berserk. Les gens bien intentionnés ici ne m'ont pas fait cette blague. Voilà. Bon, les shurikens, ça va servir à autre chose. Bon. Au moins, cette salle-là, c'est fait. C'était pas loin du full ninja. Hein. On était clairement pas loin du full ninja. Hein. Deux ninjas dans la team. Pas de white mage. Ah, c'est quand même bien d'avoir d'huile, hein, mine de rien. Je pense qu'avoir d'huile, ça peut présenter son intérêt. Alors, sauvegardons par acquis de conscience. Et avançons gaiement. Allons-y, n'hésitez pas à poser des questions que vous voulez. Coucou ma chère Koala, je vois que tu as rejoint le chat. Et que les lâches qu'il... Mais je suis lâche, je suis un poulpe. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mon dieu, mais des hélices sur un... Sur un bateau, comme c'est bizarre. Personnellement, en tant que mage, je préfère le fou. Ah bah disons, comme j'ai le chat IRC, je vois les gens qui... Je vois les pseudos qui se connectent aussi. Alors j'essaye de pas trop le faire, parce qu'il y a des gens à qui ça fait peur quand je dis coucou avant qu'ils parlent. Mais alors j'ai pas suivi ce qu'ils sont racontés, on s'en fout, c'est le scénar on s'en fout, hein. Le scénar c'est surfait, le fromage, oui. Non, c'est le... J'aime aussi bien le mage qui a une coupe afro, oui, c'est l'afromage celui-là. J'ai fait facepalmer ma chérie. Ah ouais, non, tu ne peux plus être en ninja, tu as une épée, tu peux plus être ninja avec une épée. Alors attends, il faut que je retrouve les deux oives là. Les deux zigotos. Ils sont où les deux zigotos? J'ai pas vu ce qu'ils faisaient les deux zigotos, j'ai oublié de suivre. J'ai oublié de regarder ce qui se passait en fait. Oui, ça existe. Et quoi, elle a entendu ton désespoir sur la fromage. Elle était bien quand même. Non, mais je préfère qu'on reste sur les mages en fait, Tisha. Oui, donc ça c'est... Là, on s'en fout, je crois. Ouais, de mémoire, là, c'est du on s'en fout. Hein. Ouais, voilà. On va pas aller se refaire un donjon pour le funzor du lolzor du fun. Ça me semble pas hautement nécessaire. Mais c'est un stream de la vanne collaborative. Hein. Bon. Écoutez, je retrouve pas les deux oiseaux.
Je retrouve pas les deux oiseaux à l'heure actuelle. Attends, je me demande si ce que je dois faire, c'est pas simplement aller me mettre. Dommage musicien, c'est un dommage. Joli. Bon, je ne peux rien faire ici. On peut kickstarter les vannes, oui, il faut. Hein. Qu'est-ce qui te fait rire? Ah non, c'est que tu mangeais une pomme. Ah bah là, je ne peux rien faire non plus. Hein. C'est fâcheux. Donc, on va retourner par là en espérant se souvenir de ce qu'il faut faire. Un jour, il faudrait que je m'achète un cerveau pour faire des jeux lents comme ça. Un match connecté, c'est un image. Même qui s'appelle Emile, celui-là. Oui, mais... Désolé, mais faut quand même qu'on voit le jeu. Hein. Je sais, c'est dommage qu'on voit pas l'image en entier, mais il faut quand même voir le jeu. Ouais, mais j'ai pas envie de finir dans les bad stream layout, en fait. Est-ce qu'ils sont pas par là, les deux zozos? Ils sont pas allés faire les cons ici, dans la bibliothèque, non. Laquelle de vanne? J'ai pas fait exprès. Un mage négateur canadien, c'est un mage élan, putain. De toute façon, rien ne vaut le rameuge. Bon, alors. Ah, Émile et Image, oui. Oui, c'est vrai qu'elle était particulièrement bien trouvée, celle-là. Bah, une époque je le faisais, mais avec les plugins et tout, ça devient un peu la merde et mon PC est pas d'accord pour que je vous mette l'image d'AFK avant de lancer le stream en fait. Donc j'essaie au maximum de limiter les changements de layout parce que franchement mon stream n'en peut plus. Alors, il y a forcément un truc. Et qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté, putain? Oh putain, magnifique Grand Shepard, magnifique. Je ne peux qu'approuver. Sérieux, qu'est-ce que j'ai putain de raté? Je ne comprends pas ce que je suis censé faire. Attendez, j'ai un énorme trou, mais très énorme. J'allais chercher ce que je dois faire parce que là, je sens que je suis capable de tourner en rond, mais genre à l'infini plus 27. Là c'est fait. Donc, alors attendez, celui-là. Parler acide et le vaisseau décolle. Je veux bien, mais il est où ce con? Attends. Parler acide et le vaisseau décolle. Mais il est où? Oh putain! Oh non, ça y est. Oh, oh là 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 là. Bon, rassurez-moi, il n'y a pas que moi qui n'avais pas vu les escaliers.
Je suis pas la seule à ne pas avoir vu les escaliers. Rassurez-moi, vous non plus, vous ne les aviez pas vus, ces escaliers à la con. En tout cas, j'ai vu nulle part sur le chat, faut prendre les escaliers. Merci, quand j'ai pardé. Merci de faire ma caution mauvaise foi. Ouais, là, c'était... Non, donc, je viens effectivement de passer 10 minutes à chercher des escaliers. Alors, mesdames, messieurs et mes autres, boss incoming. Ouais, mais justement, vous voyez, ça m'aide pas. Après, j'ai... putain, il y en a déjà un qui est à moitié mort. Là, faut quand même soigner, parce que là, il y en a un. Il est arrivé, il s'est fait démonter l'anus. On va faire fight, hein. Alors ça fait un truc, je sais pas quoi, mais ça l'a fait. On va continuer, il est. Alors, je vais pouvoir utiliser mon Black Mage, enfin. Non, en fait non. Oui, t'aurais dû nous en garder, ma chère Koala. Oh, j'ai obtenu un nouvel arc. C'est magique. Donc... on va essayer de lire un petit peu comment ça se passe. Ah là là, les permanences de local associatif. Toujours une bonne occasion de se goinfrer de cookies. Let's go! Alors, je vais tout de suite faire un truc parce que... je vous connais, bande de petits trolls. Comme qui dirait. Ouais, mais les gens ont dit non, je suis au régime et du coup, tu les as tous eu pour toi, c'est ça? We are the cookie, we are the champion. Ah, comme ça, j'ai quand même de quoi stuffer tout le monde. J'ai quand même de quoi assurer en cas de vous me troller. Non, t'étais toute seule. C'est pas le principe des réunions associatives de tout le temps finir seul. Bon alors, il faut que je trouve le temple de la terre. Ah ben voilà, c'est pas dur à trouver, hein. Si j'allais par là. Si j'allais à cet endroit innocent, totalement désertique, etc. Oh, un gros vaisseau spatial. Ah putain, oui, c'est vrai. Ah, ça y est, je m'en souviens. Après, il faut que je retrouve voir... faut que je retourne voir les deux, parce que le truc, ils sont envolés bien trop haut. Mmh.
Fais voir quand même le truc. C'est tellement magique, quoi. T'as deux plaques de fer au milieu de l'océan, ça souffle, ça se ferme et l'eau rentre pas. C'est magique. Mais avant, tu pouvais naviguer dessus en bateau. C'est tellement magique. Ouais, bah, je connais quoi, là j'ai fait pareil. J'ai fait précisément pareil et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai plus en permanence de toute façon. Donc il fallait chercher de l'adamantite. Et a priori je peux trouver ça dans les... A priori je peux trouver l'adamantite dans les... météorites. Sauf que dans celle-là on sait qu'il y a des téléporteurs. Donc ça doit être dans une autre météorite dans laquelle il n'y a point de téléporteur. Genre celle qui est là. Selon toute logique. Coucou Chris Cat. Ah, les gîtes va fermer. Écoute, je vais pas m'en plaindre, hein. C'est pas que je les aimais pas spécialement, mais je les aimais pas spécialement, de toute façon. Oui, alors ce combat est d'une utilité. Même le Black Mage doit être capable de les one-shot. Pendant que Crunch Shepard est lancé dans son solo sur We Are The Cookie. Et pas d'abus de pouvoir, s'il vous plaît. Modérer avec modération. Non, j'ai pas FF13. Je suis même pas sûr que mon PC puisse le faire tourner. En même temps, s'il fait tourner le 14, ça va faire tourner FF13. Qui sont les cookies qui mais qui Tisha, j'approuve. Nina a l'air totalement atterrée. Tu veux que je parle moins fort peut-être? Non, ça va. Par contre, le à manger de pouvoir s'autoriser, non plus. Quand je pars pour cette blague, tu sors. Tu creuses là, tu creuses. C'est pas sympa, j'avais envie de venir participer alors que j'ai du World Count à finir. Finis vite ton World Count. Bah ouais, mais bon. Je crois que c'est l'heure d'avoir un boss. Le souci de l'Égypte, c'est surtout qu'ils étaient en train de parasiter les subventions pour se payer des salaires. Hein. Faut être clair. Alors. Dup. Alors. Je vais avoir une ice. Sans que j'en ai vu une autre. Non, je veux pas une flame, justement. Frost. Non. Je vais y arriver. Promis. On va faire un raise. À moitié morte. Juste pour avoir essayé de changer de stuff.
Il fait pas très mal, lui. Ah non, là c'est pas cool. Oh merde. Bon, je pense que je vais mourir à cause d'un manque total de... Un manque total de discernement. Ça sent la mort de DC, hein. Dis-moi que j'ai un élixir. Oui, j'ai un élixir. Coucou Pupus. Et c'est... Je pense que là c'est mort. Hein. J'ai bourriné l'attaque et puis basta. Là, de toute façon, j'arriverai à rien. Merde, c'était pas la mort. Il a survécu. Elle a survécu. Faris, elle survit à tout. Faris, c'est mon idole. Elle était presque mort et j'ai fait non mais j'arrête de rage, j'en ai marre. C'est passé mais c'était mal barré hein. Je vais faire un truc. Voilà, on va faire ça. On va mettre le timer en wait, comme ça quand je me perds dans les menus, je vais arrêter de mourir en me perdant dans les menus. Est-ce que ça vous semble une bonne idée? D'arrêter de perdre 3 persos parce que je m'étais perdu dans les menus. Ça semble bien, hein? Ça semble pas con. Ça semblerait presque une idée intelligente, en fait. Allez, Tortal Combat! Oh putain! Ce stream est un festival du jeu de mots. Ah ouais, non, mais là, je suis tellement morte dans les menus, quoi. Alors là, la grande blague, c'était réussir à viser le petit carré avec un truc qui va à une vitesse totalement débile. Mourir dans les menus, c'est tellement OP, quoi. Non, mais en fait, je vous ai pas dit, mais c'était pour faire baisser le rank. Mais notez que le truc bien, c'est qu'on peut changer le stuff en combat. Ça m'est revenu comme... Putain, il se démultiplie, c'est des ninjas. C'est totalement des ninjas. Mais non, on attaque pas Tortal, ça va pas. Ouais, c'est une indigestion fatale, totalement. Donc, en même pas une nuit, hein, parce qu'ils viennent te réveiller, ils ont fini de bricoler le truc. C'est des putains d'ingénieurs. Hein. Tortel yo-yo. Sérieux les gens. Alors. On va se rapprocher et on va save. Ouais.
Oui, parce que on peut se poser, on peut carrément se poser ici, hein. Savez-vous que le tortue, oui. Et c'est ça qui est génial, j'oserais dire, hein. Alors oui. Ah oui, j'ai oublié, c'est la phase de l'infini swag super fun. C'est la swag du fun, c'est la phase du fun, hein, c'est. Ça va être totalement OP. Ça va être totalement fun. Sonic Boom. Les DPS ne sont pas les meilleurs du monde, par contre. J'ai qu'un healer. Mais ça va, on compense. On compense. J'aurais préféré Gale Cut quand il y en avait encore deux de trucs, mais bon. Il y a du job up, il y a du bon vieux job up comme on aime. On va faire un petit peu de heal de tout le monde. Tellement je le sens pas. Attends, ouais, si c'est ça. Là, ça va, c'est encore des lance-flammes. Quand c'est des lance-flammes, ça va, ça passe. On va déjà en tuer un. Rapidos. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la gaffe dans Auto DJ c'était un peu agressif et violent. Oh, j'ai appris une nouvelle skill. C'est ma foi fort cool. Alors, j'espère que ça va continuer à bien se passer ces canons, parce que ça peut totalement être des canons du troll. Ça peut surtout être létal. De toute façon, faut être sur, faut, c'est ce que je demande. Moi, je veux que les gens ils soient gentils avec, ils soient gentils entre eux sur mon chat, sinon ça m'agace. Je préfère les zombies ou ours. Comme ça, c'est fait. Ok, bah écoute, amuse-toi bien, merci d'être passé. Monsieur Nightbot, il est gentil.
Oh, c'est tellement la merde. Oh, sérieux, c'est tellement la merde. On va essayer de passer comme ça, puis je vais bouffer une tente après. Voilà. Oui, non, ici on est gentil, on veut faire un truc sympa. Je veux être avec des gens sympas où il y a une ambiance agréable. Moi, c'est ça que je demande, une ambiance agréable. Arrête, mais Little Pony, c'est génial. La meilleure, c'est Pinkie Pie. Non, c'est Rainbow Dash, elle est 30% plus cool. Je dis Rainbow Dash et je suis desqué. Ouais, mais Pinkie. Ouais, mais Rainbow. Mais Pinkie. Mais Rainbow. Ok, bonne nuit Tortel, repose-toi bien. Fais pas comme moi. Alors. Voilà. Donc on va bouffer une tente. Et on va sauvegarder. Non, ta voix elle est bien, c'est ma voix qui est bruit. T'as dû confondre nos deux voix. J'approuve pour Fluttershy. Hein? De quoi? J'approuve Tortel pour Fluttershy. Qui l'a dit pour Fluttershy? Ah, j'ai pas encore dupliqué les méga-éthers. Fluttershy. Ouais, non, mais Fluttershy il est sympa, mais Pinkie quoi. Ouais, Pinkie. Oh putain, merde, je me suis fait troller. J'en ai marre. Ouais. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Bon. Non. Je me chante. Mais je suis en train de faire des trucs cons parce que c'est Pinky. Ouais, mais t'es méchante. Ouais, non, mais Rainbow Dash, elle est super cool. Ouais. Alors, je me concentre un petit peu. En plus, elle a pris des arcs-en-ciel en même. Alors, sérieux. Non, mais sérieux. Merci. Oh putain, c'est tellement la merde de se souvenir comment on cible ce truc. Ah merde, fallait que je heal. Il reste plus qu'un canon. Ça c'est cool. Par contre, il faut soigner Elena. Tape quand même bien. J'ai peur. Ça va. Donc j'ai intérêt à heal.
peut tellement avoir super mal, quoi. Ah oui, c'est vrai que t'avais dit que t'essaierais peut-être de faire un petit peu de nano, quoi, là. Et du coup, ça a donné que t'as écrit que 2 soirs. Oh, c'est déjà bien, hein, c'est déjà plus que moi. J'ai tellement mal, lui. Rappelons que ma grosse source de dégâts doit est chargée d'huile. Hein. Mais grâce à vous, ma grosse source de dégâts est chargée d'huile. Merci pour cette team totalement improbable, les gens. J'espère qu'il est bientôt mort, ce truc. J'espère tellement juste survivre, quoi. Oui, mais improbable quoi, le nain? Ah, c'est passé. C'est passé, c'est passé. Alors, attends. Je vous lis dès que je lance la tente. Ah bah ça je connais, j'en ai une qui est un peu pareille, quoi, là. Oh putain! Mais en même temps, c'est marrant. Une bibliothèque. Je trouve ça mignon. Donc. It's dungeon time! C'est totalement l'heure du donjon. Donc, on va essayer de s'en sortir dans ce donjon. Le donjon des sols invisibles, hein, parce que sinon ce n'est pas drôle. Oh, une armure d'or. Donc ça, je vais pouvoir faire chevalier d'or. Hein. Je vais regarder si je peux l'équiper avec quelqu'un. L'optimum, c'est les flames, d'accord. Je veux bien. Je peux équiper à personne. Ban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 
Écoute, le feu ça marche, donc est-ce que le bolt ça marche? Oui, il y a tout qui marche. Donc, c'est cool. Build up c'est quand même craqué. Un élixir. Ma foi, fort bien. Je ne cracherai donc point sur un élixir. C'est pratique. Pourquoi tu dis bonne soirée? J'ai pas suivi. Oh putain, là je le sens moins bien par contre. Oh putain, non, pas y est. Bon, t'es gentil, tu vas arrêter de faire ça en fait. Tout se perd, bah ouais. Même le mob, il est perdu, il a plus. Il a plus le mob. Alors, mon dieu, mais. Il y a deux escaliers, un qui monte, un qui descend. Lequel dois-je prendre? Je ne sais pas. Je ne vois pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Non, ça, Elten le fait tout le temps, donc je vais arrêter. En même temps, c'est tellement facile de faire ça. Ouais, aéro! Je crois que j'avais déjà appris aéro. Gale Cut, c'est quand même bien pratique. Ah, d'accord. Ah oui, tu retournes scribouiller, je l'avais pas vu. Puis comme pour moi, elle bouge pas, en fait, elle est toujours en face. Je vois plus trop. Les oies font plus des hommes, et quelques hommes font des oies. Je veux pas savoir comment. On va passer par là, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il y a skis par là? Il y a skis des choses. Ce donjon a l'air totalement labyrinthique, j'aime pas ça. Franchement, pas la fan du donjon labyrinthe de l'enfer. Ça fait vachement mal build up comme je disais. Hein. Mais t'en fais pas, on le fait à ta place. Tellement chiant que ça va être magique. Tellement je le sens bien, quoi. Moi, si ça passe en fait. Joli t-shirt, joli. Alors je mise sur le fait que le Black Mage va être capable de faire tout le taf.
Je sais pas si c'est un bon pari, hein. Ah si, c'était un bon pari. Une aïe popo. J'explore un peu au pif. Un peu beaucoup, hein. Ça manque clairement d'une bonne minimap, on est d'accord. En même temps, est-ce que la minimap n'enlèverait pas tout le piquant du truc? J'interroge, hein. Moi j'ai ramassé les trucs et je sais où est le boss. Ouais, moi ce qui m'intéresse c'est aussi de ramasser tous les petits coffres et compagnie. D'accord, donc c'est pas par là, là c'est la fin. Là j'ai le sentiment que par là c'est la fin. Eudora. Ça c'est un nom merveilleux. Bonjour Eudora, veux-tu être mon ami ? Crève. Tu n'es pas très gentil, Eudora. Je pense que Fallout sera le prochain jeu du fil rouge. Mais bon, pour qu'il y ait un prochain jeu du fil rouge, il faut déjà finir ce fil rouge. Si je ne m'abuse. Regardez-moi ce sens d'orientation magique. Oui, bah ça s'écrit pas comme ça. Donc ils ont qu'à apprendre à écrire. T'as rien compatisé à la boussole de New Vegas. Donc, on va chercher des coffres supplémentaires. Hein. Parce qu'on n'a jamais pris assez de loot. Ah, j'aurais pu faire terrain. En même temps, on n'est pas spécialement là non plus pour troller. Oh! J'ai gagné des job up et tout et tout. Oh, je peux descendre ici. Qui y a-t-il ici? Il n'y a rien.
À part un raccourci pour aller ici. Ce qui m'arrange en fait. Donc, je trouve comment aller dans ce petit coin avec tout plein de coffres. Qu'on va essayer de trouver. Bah, on t'a converti au speedrun, ma chère Koala, que crois-tu? Le speedrun, c'est contagieux. C'est pire qu'une maladie vénérienne, hein. Il y a des gens comme ça. Moi, j'essaie justement d'arrêter de troller gratuitement, parce que... Au final, qu'est-ce que ça apporte de troller gratuitement? Je pose la question. Alors là, par contre, me semble-t-il que c'est pige. Voilà, il y avait bien un piège, comme je le disais. On va essayer de ramasser tous les coffres. Hein. C'est un petit peu long, mais ça n'enlève rien au charme du jeu de le découvrir ainsi, d'explorer, de pexer. N'oublions pas, l'intérêt est aussi dans le pex. Hein. Plus je passe de temps ici, plus je vais pouvoir pexer. Et donc, moins le boss sera compliqué. Et de mémoire, c'est pas le boss le plus facile de l'univers. Putain, il y a encore des trucs par là. J'ai oublié de prendre ça. Ou bien est-ce un piège? Les speedruns glitchés, c'est les meilleurs. Soyons bien clairs là-dessus, il n'y a rien de mieux qu'un speedrun glitché. Enfin, moi, j'adore les speedruns glitchés. Hein. Après, faut que ça reste lisible. Faut un juste milieu dans le glitch. Non, c'est bien par là. L'intérêt du pec, c'est qu'après, c'est un pec. Désolé. Fallait que je la fasse, c'était dans mon contrat. Un jour, j'ai un contrat, quoi. Oui, alors des fois je dis des choses qui sont incohérentes, c'est parce que je lis à moitié le chat et que des fois je mélange des mots. Un pec citron, totalement. C'est pour ça que ça prend beaucoup de place en fait, un pec. Parce que je te garantis que caser citron chez toi pour avoir un pec, c'est compliqué. Oh putain. On va se mettre sur tuer le mob qui est derrière. Avant qu'il insiste trop sur l'intérêt de se healer. Ah bah c'est bon. Il a arrêté d'insister. Un petit peu de heal, profitons-en, allons chercher le coffre planqué là-bas.
C'est quand même des sacrés détours d'aller chercher les coffres. Hein. Tout ça pour un bouclier d'or que je ne peux pas équiper à l'heure actuelle. Alors. Est-ce que j'étais allé ici? C'est une save room. Mais je dois pouvoir aller à la suivante. C'est l'air d'où le raconte. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Donc bon, maintenant on peut aller chercher le boss. Maintenant qu'on a tout vidé. Parce que vous avez quand même partie des trucs les plus fun dans un RPG, c'est tout vider avant de... avant d'aller péter le boss. N'empêche, c'est grenouille techno de l'infini, quoi. Oui, c'est... je sais. Mais pourquoi est-ce que tu demandes quand il doublera? J'ai pas compris pourquoi il doublera. Non, j'ai quand même un minimum de culture. Senseiya, c'est quand même... D'ailleurs, son nom, c'est Seiya, pas Seiyar. C'est en français qu'ils ont dit, qu'ils disaient Seiyar. Je sais pas pourquoi ils rajoutaient des R, des fois. Non, c'est juste Seiya. Alors, éviter de tomber dans le trou, ce serait bien. C'est ce que j'ai. J'ai pas compris la blague. Je suis désolé, j'ai vraiment pas compris la blague. Non, je suis désolé. C'est... le cerveau comprend pas. Ah, une Gale Cut, c'est cool, mais c'est pas cool sur lui. Et hop, on va aller le finir. Un bouclier de Mithril. Bah tu vois, toi qui parlais de Mithril tout à l'heure. On a trouvé notre bou... on a trouvé du Mithril au final. C'est une pièce de stuff en Mithril qui ne me servira à rien. Ouais, mais pourquoi est-ce que tu veux qu'il arrive, quoi? Ça rame, hein, là, sur la blague. Est-ce que j'ai save? Dans le doute, j'ai re-save un coup. Ah! Non, je l'ai déjà looté, le bouclier d'or. Ah, pour ça. Oui, oui. Mais celui qui a l'armure avec un bouclier, c'est pas plutôt...
C'est pas plutôt Shiryu, chevalier du dragon, qui chope l'armure avec le bouclier. Vu que c'est lui qui chope l'armure de la balance, refilée par son vieux maître, tout ça, tout ça. Et c'est sur cette armure-là qu'il y a un bouclier. Alors... Ben non, j'avais dit... J'avais dit justement... Il faut aller ici. Précisément. Ah bah tiens. Yourdora encore. Oui, ça peut être Hydra, hein. Mais c'est écrit Yourdora quand même. Aïe bobo. Ouais, si je fais ça, alors je pourrais attaquer. Alors. Et c'est maintenant qu'on peut se faire troller. Ça va être l'heure du boss, les enfants. Mais papa, dégage! Mais papa, dégage! Mais papa! Bon, le boss, tu tapes. Alors oui, de mémoire, ce gentil petit boss. Oh, putain, il a eu mal. Ok, ce gentil petit boss craint la magie, mais ne craint pas spécialement autre chose. J'ai l'impression. Ah ah! Oui, c'est vrai que tu es un genou! Je l'oublie tout le temps. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas assez de lanceurs de sorts. Et qu'il y en a un qui va quand même rester à healer. Ça va faire mal. En effet. Ouais, ce que je dis, t'es un gamin. T'es un genou, hein, on a quand même presque 10 ans d'écart. Ouh, ça fait mal. Donc j'espère que ça passera. Oh putain, ça c'est pas cool. Là, le coup de healer, c'est pas cool. C'est toujours en mode feu. Tellement besoin d'assurer d'huile. T'as regardé le speedrun et ça te fait marrer. Et du coup, tu vas le faire. Alors, normalement, là, j'ai le temps. M'équiper la frost. Voilà. Je vais prendre un risque. Ah, le risque, il valait pas, il valait pas le coup. Hein. Là, le boss a changé de phase. Maintenant, il craint les attaques physiques, j'ai l'impression. Maintenant, il est mort.
Non, il n'est pas mort. J'ai cru que le boss était mort, mais en fait non. Alors, est-ce que ça lui fait quelque chose? Rien. Putain, non, pourquoi j'ai fait ça? La magie ne fait rien. Happy. Je vais faire ça. Efficace. Il n'y a plus beaucoup de magie. Tout le monde a eu très mal. Dis-moi qui crève. Là, j'ai un peu peur. Hein. Je vous avoue, je suis un petit peu stressé sur ce boss. J'avais raison. Et c'est la mort de DC. Donc, on rappelle, ce boss, une phase où il craint la magie, une fois, une phase où il craint le physique. Et donc, comme à chaque mort, il va falloir revoir l'équipe. Donc, c'est l'heure. Je vous remets la liste des classes. Ma chère Koala, choisis le job de Faris. Vas-y, ma très chère Koala, choisis le job. Nous t'attendons. Mage blanc en heal, c'est utile. Je ne peux qu'acquiescer le fait que le heal est utile. Sort de heal, t'as mage blanc et mage rouge. Et je vais lui donner de la magie noire au cas où. Il nous faut quelqu'un pour choisir le job de Lena. Et ça sera donc Tisha. Tisha, nous comptons sur toi pour faire un choix judicieux et intelligent. Choisis le job de Lena. Oh putain. Tisha, es-tu là? Tisha, Tisha, Tisha. Allô, Tisha, es-tu là? S'il te plaît, réponds. Sinon, je vais remettre ta victoire en jeu. Je remets la victoire de Tisha en troll.
Putain, mais Nightbot, tu me... Le retour de Nightbot plante. Donc vas-y, Tisha, choisis le job. Je remets la liste des jobs. Hein. Choisis le job pour Lena. Trainer, je sais même pas comment ça se joue ce truc, ça va être très fun. Il est où le trainer? Il est là. Je pense que je vais lui mettre ça. Le job de Galuf. Alors, qui va choisir le job de Galuf? Nightbot me... Nightbot, tu sers à rien. Ah putain, bah Crunch Shepard, vas-y. Vas-y Crunch Shepard. Je pense surtout que Nightbot a perdu la liste des viewers. On va retenter, ouais, il a dû perdre la liste des viewers, hein, ou alors Redmage. Redmage est un bon choix, vu que c'est aussi un personnage qui peut taper en physique. Et donc j'ai tout intérêt. À lui donner la capacité de taper très fort. Bof, pourquoi? Et donc, le job de Pulse sera choisi par... Nightbot, tu fais chier. Sera choisi par le premier qui dit Prums. Donc le premier qui dit Prums sur le chat va choisir le job de Pulse. Non mais Nightbot il dit de la merde. Grand Shepard, vas-y. Si on peut plus compter sur Nightbot. Je sais même pas ce que c'est Grind en fait. Ninja. Elles sont pas forcément toujours le plus éclairé, mais ça peut donner quelque chose. J'en suis où en termes de HP? Est-ce que ça va? Oui, ça va. En termes de MP aussi. Bien, t'as vu, je venais. Mais en fait, on a un perso qui est mixte, un heal, et un perso, je sais pas ce qu'il fait, et un DPS physique.
Bah écoute, Tisha, enfin vaut mieux que tu le gardes pour toi parce que j'y jouerai sûrement jamais. Hein. Alors, on va faire ça. Là par contre, ça va pas être génial pour ce qui est tapé, mais en même temps, c'est le white mage. Le white mage n'est pas censé taper. Alors, ça fait quoi si je fais catch? Ça fait que ça marche pas. Ça fait que ça sert à rien. D'accord. Je pense que je vais adorer. Je pense que je vais adorer le trainer. Hein. Le trainer, ça sent tellement la classe que je vais aimer, quoi. Ouais, je dirais qu'il y a juste le traîneur. Juste le traîneur, franchement, je vois pas quoi. Je vois tellement pas comment ça peut se jouer ce truc. Ouais, ça sent la fausse bonne idée, le traîneur. Hein. Alors, je vais m'arrêter ici pour faire d'huile. Ça sent tellement la mauvaise idée, quoi. Allez, on va tenter le coup. On va repasser ça rapidos. Donc là, l'objectif, c'est quand même de réussir à survivre, hein. Voilà, on va faire ça. Est-ce que je n'ai pas mis de terrain au traîneur? Si. Donc on peut s'en sortir avec ça. Ça sent l'empoisonnement, on va soigner. Le teint violet, c'est jamais une bonne chose. Ah, Wipeout, j'adore. Wipeout, c'est très bon. J'étais encore empoisonné. Arrête pas d'empoisonner, c'est très chiant. Et puis là, il fait mal. Alors. Et il faut healer, hein, mais il faut healer fort, mais ça tombe bien, c'est un white mage qui heal. On va continuer à healer. Oh putain. Pas très grave pour l'instant, ça. Je m'en occuperai plus tard. Ouais, en effet, on aurait dû s'entraîner pour jouer trainer. Ah merde, il résiste à la foudre maintenant. On va faire ça. Ça me semble pas bête.
Bah c'est un boss quoi. Donc, mais il faut arrêter d'utiliser la foudre. On va passer à Ice, hein. On va tout de suite faire un Q en deux. Parce qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Ceci. Une raison intelligente. On va soigner Galuf parce qu'il a eu mal quand même. Build up. Fight. Et voilà, c'est passé. Donc le trainer, je sais pas trop comment ça s'utilise, mais au pire, il s'est tapé au cac. Donc ça, c'est bien. Le boss est mort. Oh, il y en a d'autres comme ça, quand je pars, non. Tout ça grâce au Red Mage qui est quand même une classe qui peut pas utiliser toute la puissance de la magie mais qui est capable de taper. Et ça c'est loin d'être dégueu le fait que le Red Mage soit capable de taper. C'est quand même mine de rien vachement cool. Et un météore tombe. Alors t'es en train de voler, il y a un météore qui tape le sol, mais toi tu te pètes les gueules. D'accord, le météore est tombé dans le vaisseau, je comprends mieux. Et voilà. Mais grand-père, tu ne me reconnais pas. Mais qui tu es? Mais grand-père, c'est moi. Mais t'es qui? Mais grand-père, c'est moi. Mais t'es qui? Grand-père, bon, wow, Et là, je viens de vous spoiler ce qui se passera à un moment ou à un autre dans le jeu. Ah non, Mage Rouge, c'est franchement pas dégueu. Ouais, grand-père Bouhou, tu t'es souvenu de moi. Et moi, j'ai personne à retrouver, c'est nul. Spoiler, oui, totalement. J'avoue, mais en même temps, tout le monde devait être au courant, je pense. Et le cristal a fait baboum. Et vous savez ce que ça veut dire quand un cristal fait baboum? Ça veut dire effet disco mode 7. Parce que ce soir, dans ta Super NES, c'est soirée disco mode 7. Parce que le disco c'est bien, le mode 7 c'est mieux, donc on fait soirée disco mode 7. Mais qui es-tu? Je suis méchant!
Vous m'avez dit que je suis méchant parce que je m'appelle Maître Méchant, alors j'en ai marre qu'on dise que je suis méchant parce que je m'appelle Maître Méchant, donc maintenant je veux qu'on m'appelle Betty. Betty, mais c'est un nom de fille, ça. Mais ta gueule. Alors, si vous n'avez pas vu le film duquel est tirée cette réplique, je vous invite à le voir parce que ce film est au fin fond de la zone nanar. Tu te marres. Faut éteindre ton cerveau, tu le regardes, tu te marres. Ça s'appelle Kung Pao. Ou Kung Po, présent, dit avec le bon vieil accent français. Et c'est... La femme à un sein, Maître Méchant. Le Nunchaku fait avec des gerbilles. Le Titanic planqué dans une chute d'eau. Faut avoir l'œil pour le voir, mais il y a le Titanic planqué dans une chute d'eau, promis. Ah ouais, non, franchement, celui-là, nana, il vaut le coup. Il vaut le coup, hein. Par contre, faut vraiment éteindre ton cerveau, parce qu'il y a plein de trucs à dire dessus qui sont pas... Donc, c'est clairement pas un film intellectuel, il y a clairement pas assez de prétention, et donc, faut assumer, hein. Mais il vaut le coup. Il vaut vraiment le coup. Oh mon dieu, des nouveaux cristaux. Mais il a clignoté, ça veut dire qu'il est vraiment mort. Parce que c'est bien connu, quand un personnage clignote, c'est qu'il est vraiment mort. Et mon dieu, les cristaux, ils tournent. Et ça va sur Lena. Et ça brille en bleu. Ça veut dire qu'il est vraiment mort. Mais il s'appelait pas Adèle, c'était le roi. Donc on a eu 4 nouveaux jobs. Donc dès que je ne suis plus en phase compte à rebours de l'infini. Ça veut dire qu'il y aura un nouveau vote. Ça, c'est la soirée du vote. C'est la soirée du votationnage. Ils sont morts, voilà. Les explosions clignotent, elles sont mortes. Les clignotants clignotent, ils sont morts. Instant émotion, cinématique émotion, point scénar. Donc, les 4 cristaux qui protégeaient la planète ont explosé. Dû à la folie des humains qui les utilisaient trop. Et Ex-Death a donc réussi à se libérer du monde dans lequel il était scellé pour venir foutre le bordel chez nous et récupérer du pouvoir. Ouais, mais ça va être très chiant de faire un Stropole parce qu'il faut que j'en fasse 4. C'est ça qui est chiant. Les îles clignotent, elles sont mortes, voilà. Et donc, Galu va repartir dans son monde avec sa petite fille, dont j'ai oublié le nom parce que j'ai un trou de mémoire. Et ils vont repartir dans leur monde pour combattre Ex-Death, mais ce n'est pas votre combat, vous devez rester ici. Restez ici. Ne vous en faites pas, nous allons combattre Ex-Death. Mais t'es un vieux papier à moitié gâteux. Mais je dois aller combattre Ex-Death, mais t'as un vieux papier à moitié gâteux. Mais je vais combattre Ex-Death, oui, mais tu vas mourir. Mais je vais combattre Ex-Death, d'accord, mais t'es chiant. On va venir quand même, voilà, c'est Kara. C'est petit, c'est un petit peu une puce, donc c'est un carapuce. Ça va, pupu, je fais pas trop de bruit? Non, ça va. Là, je vais enlever la souris, sinon je vais finir par me faire engueuler parce qu'il y a une souris ici. Et donc, elles se font téléporter dans leur monde.
Pendant que... Il est l'heure. Mes amis, il est l'heure. L'heure est grave. Donc on se pose, je suis tristesse. Ils sont partis, je suis tristesse. On doit aller les aider. Oui, mais ils sont dans un autre monde contre Exès, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on doit venger mon père. Oui, et le mien, oui, c'était le même. Mais Galuf est dans un autre monde, comment allons-nous faire? C'est notre ami, mais comment faire? Tu l'as rencontré il n'y a même pas une journée. Heureux. Si on allait dans l'autre monde, oui, mais comment est-ce qu'on va faire? Parce que c'est un autre monde. Bah, il y a d'autres météores, on va pouvoir faire quelque chose avec. Si on allait voir Sidémide. Quand on n'a pas d'idée, il faut aller voir Sidémide. Donc, nouveau job. Tu l'aimes bien ton épée. Donc, alors quels sont les nouveaux jobs? Oh, un job classe. Un job qui claque. Un job avec une lance. Le dragoon. Le samouraï. T'es comme un dragoon mais en moins classe. C'est, regarde le speedrun de Fallout, juste Fallout le premier. Tu vas te marrer aussi. Hein. Donc le chimiste. Qui est une classe de healer, ma foi, fort sympathique, mais compliquée à maîtriser. Et j'avais déjà le bard, je crois. Je ne sais plus. Alors, il était après les mentalistes. J'avais déjà le bard et maintenant j'ai le dancer par-dessus. Donc voilà la liste, la nouvelle liste des classes. Donc qui va choisir le job de Faris? Vous m'attendez quelques instants. Attendez-moi quelques instants, je reviens avec un dé. Je vais trouver des dés. Ce sera plus simple parce que les goûts qui fichent.